Les mouvements d'humeur règnent au sein du campus universitaire de Lomé depuis bientôt un mois. Au centre des revendications, le système licence master doctorat, le LMD, est son principe de base, le prérequis. C'est une compétence initiale sur laquelle se greffe la formation d'un apprenant. Et d'une faculté à une autre, les problèmes qu'il pose divergent. Nous demandons tout simplement à ce qu'on enlève ces matières, ces yeux qui deviennent un ensemble qui entoure, qui est comme un mythe qui entoure les yeux. Que ces prérequis se fassent dans les conditions normales et puis qu'on donne la chance à l'étudiant de pouvoir les éliminer. Le prérequis ne serait pas un problème en soi. Les étudiants ne comprennent pas la nécessité de valider les prérequis, raison pour laquelle ils s'inscrivent de manière anarchique dans les semestres suivants. Généralement, quand vous avez échoué à une unité, ça veut dire que vous n'avez pas tout compris, vous n'avez pas tout assimilé, c'est pourquoi vous avez échoué. Donc il n'est pas normal, logique qu'on aille s'inscrire dans une unité qui est devant et qui nécessite des connaissances de base. Ce sont ces connaissances de base qu'on appelle des prérequis. Je crois que c'est un faux problème. Le problème est ailleurs. Le problème de l'étudiant, quand il vient, il veut passer. Un ballon qu'on jette, il va au bout. Mais aller au bout, ça suppose avoir des compétences. Si vous n'avez pas les compétences, ce n'est pas possible. Mauvaise compréhension du système LMD ou revendication non fondée. La question ne se poserait pas. Selon un spécialiste de l'éducation, le prérequis est un problème pédagogique. Si on l'a institué, c'est parce qu'on estime que pour progresser dans un parcours donné, il y a d'abord ce que vous devez avoir comme préalable en matière d'acquisition et puis ensuite ce que vous devez à cela ajouter comme acquis qui doivent être des acquis nécessaires, donc fondamentaux, et puis des acquis qui doivent être des acquis complémentaires à ce qui est fondamental. Le prérequis étant nécessaire pour évoluer dans le système LMD, reste à savoir dans quel domaine son application est nécessaire ou non. On peut dans un parcours voir si les prérequis peuvent être conduits de façon parallèle, c'est-à-dire que essayer de, en même temps qu'on donne ces connaissances-là, mais de renforcer ce que la personne doit préalablement avoir pour que le tout puisse s'harmoniser. Mais généralement, ce qu'on veut, c'est qu'il faut que cette question des prérequis-là soit bien réglée pour que ça ne donne pas l'impression que c'est quelque chose dont on peut se passer à tout moment. Instaurer le système LMD reviendrait donc à revoir l'enseignement dans les cycles précédents l'université. Les discussions entre les étudiants et les autorités universitaires se poursuivent, ceci afin de trouver des solutions adéquates aux problèmes que pose le LMD.